Salut à tous, c'est Démon, j'espère que vous allez bien. On y est, saison 3. Donc vous savez ce qu'on fait. On va sur le scénario. Et on va prendre la stase. Alors c'est une découverte, je vous l'avoue. Je ne sais pas, on va voir ce que ça donne. Alors, plus que quelques instants. Ça a marché, ça a vraiment marché. Allez-y, en douceur, maintenant, comme ça. Respirez, vous devez prendre votre temps. Vos corps n'ont pas bougé depuis des décennies. Ok. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Ce sera un choc pour vous, dans un premier temps. Mais vous vous y habiterez. Vous et votre famille avez été conservés dans des chambres cryogéniques spécialisées depuis, voyons voir, exactement 66,5 ans. Oui, je crois que c'est exact. Je vais vomir. Ah non, on commence pas à tout dégueulasser. Aucun souvenir de tout, de rien. Comment sommes-nous arrivés ici? On vous a enlevé. Je suis navré. Vous et votre famille n'avez pas été amenés ici de votre plein gré. De baba. Voyez-vous, j'avais anticipé la prolifération nucléaire. Je savais ce dont notre race était capable. Et plus important encore, je savais quel en serait l'impact. Les gens me croyaient fou, mais j'avais raison. Notre monde n'est plus habitable et nous devons absolument le quitter. Mon corps est vieux et fragile. Je suis si fatigué après un demi-siècle. L'œuvre de ma vie est presque achevée. Vous êtes le dernier espoir. Vous êtes le dernier espoir. Vous êtes les derniers espoirs, peut-être? Je sais pas. Vous devez poursuivre le travail. Vous devez le terminer. Vous constaterez que bon nombre de vos besoins seront satisfaits ici. Nous disposons d'une grande quantité d'eau et d'énergie pour accomplir la mission. Vous devez cependant cultiver la nourriture vous-même. Alors, je vous rappelle, juste pour savoir le setup, c'est que quand j'enregistre comme ça, je suis assez proche de l'écran. Donc, comme c'est un grand écran, là, ça, je m'explose les yeux, mais vénère. J'aurais peut-être acheté des lunettes de gaming, là, je sais pas quoi, là. Les guenards, ou je sais pas quoi, là. Enfin, quoi que je suis pas sûr que ça changerait grand-chose, parce que l'écran est grand et je suis proche. Vous devez néanmoins faire pousser la nourriture vous-même. La planteuse produit des graines que vous devez stocker pour la mission. Ok. Oh là. D'accord. Oh putain, et c'est cool. Ce vaisseau est la machine la plus importante de l'abri. J'ai préconfiguré la destination, mais il n'est pas encore terminé. Vous devez ajouter les derniers éléments. Waouh, l'unité principale. L'unité principale, ma propre création, elle peut alimenter l'abri indéfiniment. Vous devez la protéger à tout prix. Malheureusement, nous subissons une infestation de vers mutants. Elle les attire et s'en nourrissent. D'accord. Ok. Le stockage d'embryons cryogéniques est vital pour fonder une nouvelle colonie. Nous aurons besoin des générations futures, les laboratoires épars contient de nombreux embryons, trouvez-les et ramenez-les. Ok. Les livres, si l'on ne transmet pas le savoir de nos ancêtres à la nouvelle colonie, nous n'avons aucun espoir pour l'avenir. Recueillez-en autant que vous le pouvez. T'as l'impression que je sais pas lire, mais je te jure, c'est juste que c'est vraiment très proche. Et ça me pique les yeux rien que le fait de lire. Et comme en plus,
Voilà, il est assez très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Je sais pas comment vous parlez. Donc il y a la fatigue qui joue. Donc il faut que je remplisse 4 bibliothèques. Ok. J'ai conçu deux nouvelles combinaisons de protection spéciales. Chacune d'elles est personnalisée pour les membres de votre famille. Elles peuvent être adaptées pour fonctionner différemment selon vos besoins. Vous devez les utiliser pour vous protéger à l'extérieur. Ok. Ok. Notre monde est stérile. L'hiver nucléaire n'était qu'un début et les choses se sont détériorées plus rapidement que prévu. Les températures frôlent les niveaux glaciaires. Les doses de rayonnement sont mortelles et les pluies acides peuvent vous brûler jusqu'aux os. Ah, ouais, c'est pas cool. Je peux seulement vous offrir mes conseils. Je ne peux plus m'aventurer à l'extérieur de l'abri. Et la moindre activité physique m'est impossible. Si nous venions à échouer, ce sera la fin de l'espèce humaine. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Venez, il y a beaucoup à faire. Intéressant. Donc d'accord, stase, stockage d'eau, capacité maximale, d'accord, il n'y a que 4 bouffes. Donc je pense que il faut peut-être commencer une chose. Graines avec engrais, je pense. Voilà. Et arroser les plantes. Bon, ça, on a l'habitude hein, avec sol humide. Voilà. Sculpture de fusée. Alors, par contre, on va. Moi, j'ai fait déjà. Voilà. On va tous les passer en automatique quand même, hein. Parce que s'il faut s'occuper de la bouffe et tout. Donc ici, on a le laboratoire. Bien évidemment, le laboratoire. Fait qu'on peut faire des pistolets laser. Des répulsifs pour animaux, d'accord. Des pistolets laser, des gars, du savon. Des mythes. Fusil laser. Excellent, cellule laser. Mais j'ai déjà des pistolets laser. Oh, mais ça, c'est cool. Ça devient intéressant. D'accord, il n'y a plus rien en bas. Ok. Okay. Alors, je fais comment pour repousser l'attaque des machins? Parce que... Oh, pardon, attends. Ah, voilà, ça c'est mieux déjà pour commencer. Ça c'est cool. Alors, attends. Jouer 0, forcément. Ça c'est quoi? Alors, monsieur les développeurs, le problème. Oh, putain, voilà. Statut de charge chargé. Ah, défibrillateur, d'accord. Si j'ai un mort, je peux le. Machin, truc bidule. Ok, ici, atelier, fais voir. Fabriquer un objet. Une tombe, c'est pas cool. D'accord. Ah, recycler. On peut encore recycler. Pas négligeable. Alors, désolé, hein, ça va être découverte. Découverte, donc. Va falloir sortir quoi qu'il arrive. Oh putain. C'est quoi ça? Châssis. Cylindre. Cylindre. Propulseur principal. What the fuck? Liquide de refroidissement. Carbone renforcé. Mais c'est quoi ça? Panneau d'échange de chaleur. Mais c'est quoi ces machins-là? C'est pourquoi? Ah, c'est pour peut-être pour finir la fusée. D'accord. Ok. Ok. Alors, j'ai la première sculpture. T'es sérieux? D'accord. Ok. Ok. C'est chaud.
Armoire à soins, d'accord. Grande caisse de stockage. Est-ce qu'on peut voir ce qu'on a? On a peu de graines, on a deux armes, on a 8 chargeurs, on a du bois, des clous. Ok. Ah, d'accord, ok. Pardon, d'accord, je comprends mieux, d'accord. Donc là, il faut. D'accord, ok, c'est autant pour moi. Voir ma carte. Oh putain. C'est plutôt bien foutu. D'accord. Ça, c'est quoi? Créateur d'objets. Fabriquer. Option de fabrication. Stockage de laverie. Voilà. Un peu du mal à comprendre, là, j'avoue. La récupération 25, 30 fabrication 2, 30. J'ai rien compris. J'ai pas compris là. D'accord, je peux fabriquer ça. J'ai pas compris. Pas grave. Bah écoutez. Je vous propose qu'on fasse une sortie. On va prendre Grégory. Non, on va prendre les gamins. Modifier les combinaisons. Ouah, c'est quoi ça? Ajouter des points d'attribut de stockage en la capacité de charge de la combinaison. Wow. On va laisser là-dessus dedans. Pour le moment. Hein. Alors, prendre la combinaison 3. Et Lucie, prendre la combinaison 4. Ok. C'est chaud. C'est bizarre. Oh, attends, 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 attends. Oh là 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 là. Il y a encore des trucs comme ça. Ok. 2 secondes, 2 secondes. Mais j'ai pas compris. Ok, préparer l'expédition. On est ici. Cabane.
Poste de police. Pharmacie. Cabane, oh putain, mais il n'y a que ça. Cabane. Ouais, je sais, hein, c'est nappe, hein, qu'on va chauffer. Hein, mais... Pharmacie. On va déjà voir ce que ça donne comme ça, d'accord? Je sais pas quoi mettre. Équiper. On va en prendre 4, hein, on ne sait jamais. Confirmer, êtes-vous sûr d'être honoré? Non, pas du tout, mais c'est pas grave. On va bien voir. C'est quoi? C'est chaud. J'aime, je kiffe. Je kiffe énormément. Donc, alors, rappelons. Ça, c'est quoi déjà? Rater d'objets, j'ai rien compris avec ça. Donc, rappelons qu'il faut qu'on fasse dans les trucs spéciaux. Qu'on fasse ça. Sauf que l'alliage de nickel. On n'en a pas, on peut pas en fabriquer. Éléments de nano-électronique, on n'a pas. Ensemble de valves. En fait, il y a toujours un truc qu'on peut pas, qu'on n'a pas. Et à chaque fois, il va falloir choper ça dans les baraques. D'accord, d'accord, j'ai compris. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est cool. Il va falloir qu'on fasse le matériel de recyclage ou pas. Je sais pas, en fait, c'est ça qui me... Laboratoire. On a déjà ça le truc. Donc à mon avis, il va falloir qu'on fasse ça. Donc il va falloir qu'on trouve des charnières. Des charnières. Il va falloir qu'on trouve des charnières. Ouais. Attends, je peux épingler la recette. Donc on va faire ça. On va faire ça. Ça. Pas si le détecteur de mouvement est vraiment utile. Alors bien évidemment, on va tout épingler là, logique. Le problème c'est que je vois pas pourquoi on peut pouvoir faire à moins que ça nous détruit des trucs. Ah ouais, non mais ça serait trop cool, ça serait pas mal en fait. Genre qu'on est attaqué et ça nous détruit. Oh, ça serait pas jusqu'à ce point-là, je pense. Ah oui, ça on a déjà. Il y a des coches. Et laboratoire, on en a un déjà, non? Je sais pas, c'est bizarre. Non, on peut fabriquer. Tête de con. Ok. Je sais pas, c'est chelou, c'est bizarre, c'est marrant. C'est bien foutu, n'empêche. Ça, j'ai pas compris. Par contre, le créateur d'objets, j'ai rien compris. Objet à récupérer. Si j'en mets un. Là, je peux pas faire fabriquer. Récupération. C'est con. De la récupération 25.
Ah, oh, je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre. D'accord. Pour fabriquer ça, il faut que j'arrive à 25 en récupération. Oh, punaise. D'accord. Bien joué. Oh, c'est cool ça. D'accord. Je viens de comprendre. Ça, c'est pas mal. C'est bien foutu. Bien pensé, bien pensé. Excellent. 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 Alors attends, 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 attends. On va réfléchir un peu. Regardons bien ce qu'il y a. Ouais, je viens de comprendre un truc. J'ai rien pour faire bouffer. Ah, je peux pas le faire. Oh. D'accord, il va vite va falloir un une au moins ça quoi, la cuisinière badia. Alors du coup, admettons. Il me faut un comme ça. Donc ça me fait 25. Ah ouais, non. 2. Oh. 6. Ah non, jamais je vais y arriver à 25. D'accord, je comprends mieux le délire. Je comprends mieux le délire. Ouais. C'est foutrement bien fait. Enfin, je crois, j'espère que c'est bien ce que je pense. Si c'est le cas, c'est pas mal. Des armes, il va falloir que pistolet brisé, d'accord. Machin, et ça, c'est quoi alors? Antidépresseur, il va falloir que je trouve des graines et tout. Oh putain, c'est bien fait. Je trouve que c'est cool. Je trouve vraiment que c'est cool. Ah, ça c'est prioritaire, on m'a dit. Des clous. Par contre, ça des clous, il me faut. Bandage taché de sang et. Je doute que la personne ait utilisé ces bandages et s'est préoccupé de récupérer quelque chose. C'est quoi ça? Tu veux casser?
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça fichtrement intéressant. Par contre, il y a des choses, j'ai pas tout compris avec les embryons, les machins et tout ça, là, j'ai pas catché, mais je pense qu'elle veut nous bouffer et ça me rassure pas. Donc, vous débrouillez un peu. Vous débrouillez un peu. En fait, j'ai peur, c'est au niveau de la fin. Vas-y. Il n'y a pas de cuisinière, faut vraiment que je me fasse une cuisinière. Ah, le problème, c'est que tu sais pas ce que tu as vraiment besoin, ce que tu vas pouvoir utiliser, ce que tu vas pouvoir faire. C'est chaud quand même. Gros truc d'eau. C'est quoi ça? C'est une planteuse. Ah, on a une planteuse là aussi. D'accord. D'accord. Non. Arrête tes conneries. Alors attends. Le problème, c'est que je sais pas si je vais pouvoir utiliser ces machins-là pour l'instant ou pas. C'est un peu le truc qui me fait peur. C'est ce qui me fait peur.
que je prendrais bien le miel, n'empêche, puisque le miel, c'est ce qui va me permettre de faire le savon. Et il y a de l'aloe vera là. Bite de réa. On y retournera. Alors je sais, hein, cet épisode-là, il va être long. Mais je pense que ouais. Comment je fais pour aller là en fait? Ça je comprends pas. Endroit d'embryon. D'accord, il y a 9 là et 9 là. Ouais, c'est chelou. C'est vraiment intéressant. Bonjour, ici, nous avons repéré un mutant au loin. Voulez-vous que nous nous approchions? Je vous propose un truc, c'est qu'on va s'en approcher pour voir ce que ça va donner. Ah non, on peut que attaquer. D'accord. Je sais pas. Tout ça pour ça. Il faut absolument que je prenne ça. Ça va, j'ai déjà pris du bois. Rien. Ah, le livre, oui. Con. C'est bizarre, mais c'est intéressant. Franchement, c'est cool. Je découvre et. Alors, la vidéo est longue, hein, mais vous comprendrez, vous aimerez, je pense. En fait, la chose c'est que je vois pas, tu peux pas agrandir.
Savon pourri, ouais. D'accord. Ça reste compliqué quand même. Après, comme tous les trucs qu'on découvre, hein, c'est toujours pareil, hein. Ça pleut toujours en haut ou pas? Ouais. Abri en attendant, ça peut être pas mal. Putain, c'est long pour les réparations. Il est à combien? 25, ça peut le faire. Ah. D'accord. Maturité. Ok. Toi, tu vas laisser tomber ça, tu vas aller récolter ça. Je pense, hein, que c'est peut-être le mieux. Après, c'est planter des graines. J'ai plus de... Oh. Cocon de verre, d'accord. Trois graines, cinq nourritures, ok, c'est correct. C'est correct. Je dirais... Vas-y, plante les graines, voilà. Arroser. Ça fout toujours. Et finalement, on va retourner à nettoyer l'abri. C'est les gamins qui rentrent. Waouh. Gagner des points de puissance pour mettre à niveau vos combinaisons, accomplissant certaines actions spécifiques. Donc tuer des adversaires. Donc toi tu 30 pour gagner 1. Distance parcourue. Non. Faut en faire 30 pour avoir des points. D'accord. Lieu exploré 6. Distance parcourue 27. Ah, ok. Ok. Non. Oui. D'accord, ils remettent automatiquement les trucs, ça c'est cool. La question c'est est-ce que là-dedans... C'est vraiment très 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 chelou. Fibrillette, ok, ça marche. Fabriquer un objet. Merde. Est-ce que du coup il y a des trucs que je peux. Non, je peux rien fabriquer, bah non. Circuit électronique et tout. Oh. Je vois pas trop l'intérêt des toilettes et... Ah, si, d'accord. Ok.
Mais laboratoire, par exemple, je comprends pas trop. J'arrive pas trop à comprendre le laboratoire. Table de recyclage, d'accord. Ok. C'est fichtrement intéressant, n'empêche. Alors, si vous n'avez pas compris, en fait. Alors, d'accord, je vais recevoir, je vais avoir des différents trucs qui vont me permettre de faire ça. D'accord? Sur ça, il n'y a pas de souci. Ça ressemble au jeu de base. Il n'y a pas de problème. Alors, par contre, ouais, il faudrait que. Hop. Hop, on va faire celle-là aussi. Alors, je sais pas comment on peut récupérer des nouvelles personnes. Ça, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas pourquoi on peut faire aussi un laboratoire. Ça, c'est un peu bizarre. Bien évidemment, le but principal, ça va être de créer toutes ces pièces-là pour mettre dans la fusée et d'avoir. Donc, vous voyez qu'on a déjà deux livres. Alors, je sais pas. Par contre, les embryons, je sais pas comment on a ça. C'est un peu bizarre. Pas fertilisé. Ah, ah, attends. Comment je fais là? Attaquer vert. Marc. Attaquer vert. Oh non, elle déconne pas. Je me demandais justement quand c'était. Attends, wow. Choisir un membre. Groupe d'intrusion. Eh ben, je sais pas. Sélectionner, personne suivante. Oh. Ok, équipé. Équipé. On va même maintenant mettre deux quand même. Ah, c'est chelou. C'est cool, mais c'est chelou. Confirmé. Je te donne un tuyau de métal, toi. Non, je vais te donner une arme. Équipé. 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 Je sais pas, c'est bizarre, c'est chelou. Confirmé. D'accord. Attaque. Oh. Ok. Ok. Ah mais oh putain le trouble. D'accord. Ok, c'est correct. Je peux comprendre la chose. C'est plutôt bien foutu. Pourquoi tu mets 3 jours toi à réparer les trucs, hein? Sérieux, le temps qu'elle finisse de réparer, lui, il va être déjà réparé, tu sais. Très 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 intéressant. D'accord, ça explique beaucoup les choses.
santé se sent bien. Du coup, ici, il en faut 3, bâtard. D'accord, correct. On se détend tranquillou. D'accord. Elle, je voudrais bien avoir Lucie. Elle se sent bien. Elle est un petit peu troublée, mais du coup, comment ça se passe? Ils vont jouer. Admettons, toi, Jean-Mouloud. Pardon, Jean-Maurice. Tu peux lire un livre, ok, d'accord. Donc tu peux garder de l'intelligence quand même. C'est bien. C'est même très très bien. Elle va manger, correct. Ok. Ok. Ouais, alors je sais pas si vous comprenez vraiment comme moi autant que moi je le comprends, mais en fait voilà, et il va vraiment vous falloir du temps en fait pour récupérer, donc il va vraiment falloir faire une alternance entre les choses, sachant que si vos combinaisons ne sont pas au maximum, du coup tu pourras aller moins loin et récupérer moins de choses, chose qui est assez sympathique. Donc c'est pareil, tu peux récupérer est-ce que tu déposes toute seule? Non, tu déposes pas toute seule. T'es sérieuse? C'est un peu dommage, ça. Et du coup, il te faut combien de temps? 4 minutes. Ah ouais, putain, t'as mis beaucoup de temps à réparer. Ah, c'est chaud. D'accord. Ouais, ça va être vraiment. Mais c'est pas mal. Ah ouais, putain, mais ouais, c'est bien. Laboratoire, fabriquer un objet. Donc je pense qu'il va nous mettre un mal. Ça va vite être. Oh putain, des batteries. Il faut que je prenne des batteries. Ok, ça tu prends. Tu penses à prendre. On va faire ça comme ça. C'est quoi un répulseur pour un niveau, la chance de rencontrer un niveau de 90%. D'accord. Plutôt pas mal, hein. Très bien pensé. Mais vous savez quoi? On va essayer de compléter, de continuer hein, de cette aventure-là jusqu'à un certain temps. J'ai pas très bien compris l'histoire des embryons, je dois avouer. Je sais pas comment on fait les embryons. Mais ouais, non, sérieux, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc écoutez, on va se laisser là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, le commentaire. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de de ce mode de jeu. Est-ce que c'est plutôt bien? Est-ce que vous aimez pas du tout? Dites-le. Ça m'intéresse énormément parce que ouais, moi je pense que je vais vraiment la saison 3 va être j'espère le temps que je vive en tout cas la saison 3 sera vraiment assez grande sur ça à mon avis. Donc ouais. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Si tu veux continuer à regarder des vidéos sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux une notification à chaque vidéo ou à chaque changement de la chaîne, n'oublie pas d'activer la petite cloche. Si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller sur le Tipeee et ainsi, soit en donnant directement ou en regardant une vidéo qui me permettra de gagner 3 centimes à chaque minute regardée. Sur le Tipeee, tu pourras avoir des news sur ce qui peut être fait. Et si tu as été tipeur, tu auras des news exclusives. Alors je te dis à la prochaine. Bon jeu à toi!